Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mercredi 29 mars 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains qui regardent cette guidance? Et les gens de passage, bien sûr. Allez. Alors, on en a deux ici. Alors, on a la carte du lion ici. Alors, ce n'est pas le signe astrologique. Désolé les copains qui sont lions, mais c'est pas vous sur ce coup-là. Mais on pourrait, en tout cas, il a vos valeurs ici. On parle de victoire, on parle de courage et de ténacité dans cette situation. Et on a l'enclume avec ben, justement les situations. Alors, est-ce qu'elles s'additionnent ces petites cartes? Non, elles ne s'additionnent pas. Bon, ben, dans la situation que vous êtes en train de vivre ici, on vous demande d'avoir du courage, hein, de la ténacité, de tenir bon. Hein, ici, parce que vous allez vers cette victoire. Bon, ben, tant mieux déjà. Ça, c'est une chose positive. Et c'est très bien. Alors, s'il te plaît, mon ange, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, on t'écoute. Oh, tu la prends, on ne prend pas? Allez. Bon, ok. Alors, on va aller voir ça. Bon, ici, on a le 2 de terre. Alors, le 2 de terre, ça ne m'étonne pas qu'il soit sorti. Hein. Le voici, le voilà. On parle des doutes dans les choix à faire. Alors, ça peut être des choix d'orientation professionnelle pour certains d'entre vous, hein. Bien entendu. Mais c'est des choix surtout dans la matière. Ouais, ouais, on va parler pognon, on va parler travail, on va parler ancrage à la terre ici. On parle aussi avec cette carte qu'il faut trouver un équilibre ici par rapport ben justement à vos sentiments hein, pour certains d'entre vous. Justement à trouver un équilibre dans cette matière ici. Alors nous avons la reine d'eau. Alors la reine d'eau bien sûr, hein, féminin, féminine que vous êtes, si vous êtes des féminins bien sûr. Ou celui que vous avez ou celle que vous avez en face de vous si c'est vous le masculin ici. Alors ici avec la reine d'eau, hein, bien sûr c'est la reine de coupe, hein, c'est la reine de cœur. On va parler d'une polarité féminine dans l'amour, dans l'honnêteté et qui a le cœur sur la main. Et nous avons ici la reine de feu, mais tant qu'à faire ici. La reine de feu, toujours polarité féminine, bien sûr, vous vous placez là où ça vous correspond. Ici, on vous dit que c'est une question de reprendre son pouvoir. Ici, alors son pouvoir dans la matière, hein, vous l'aurez bien compris, hein, ici, en tant que féminin, que féminine. Bon, mais il y a quelqu'un qui bosse là, alors c'est vous, c'est l'autre, hein, bien sûr, hein, en fonction si vous êtes le féminin ou pas, dans cette situation. En tout cas, il y a quelqu'un qui a des choix à faire hein, pour aller vers cet équilibre des polarités. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, alors, il y a un compromis. Déjà, pour commencer, une entente, une négociation, une conciliation. Ici, on a la carte des voyages. Alors, pour un déplacement, pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas. Ici, ou quelque chose qui a rapport avec les voyages, hein, ça se peut. Mais nous avons ici hein, la carte qui représente cette longue vue, là, ce petit bonhomme avec cette longue vue qui vous dit de regarder les choses d'un peu plus haut, pour certains d'entre vous. Prendre du recul. Et on parle de quoi? Bien sûr, de travail. Alors, pour certains d'entre vous... Ce boulot, hein, ici, va vous demander de faire des déplacements. Ça se peut, hein, ici. Eh bien oui, en tout cas, il y a un voyage à effectuer ici ben, pour un nouveau travail, pour certains d'entre vous, ou pour votre travail. Avec des compromis, bien sûr, hein, des négociations ici qui vont être faites. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains? Bon, il y a quand même la peur du rejet ici. Hein. Alors, il y a la peur du rejet, il y a la peur de perdre des thunes. Ben, tant qu'à faire. C'est une blessure bien masculine, mais bon, la peur d'être rejeté aussi hein, par la même occasion. Hein, vous avez peut-être peur que ça marche pas. Hein, ouais. Et ici, on a le 9 de bâton. Eh ben oui, ben là, le 9 de bâton, lui, c'est une question de patience, une question de prudence, certes, mais c'est surtout une question de réflexion, de planification et d'organisation. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, il y a des petits compromis à trouver. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, hein, soit vous avez des obligations hein, familiales hein, qui font
que vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez. Hein. Ici, il y a des compromis qui vont être trouvés ici hein, par rapport à tout ça. Bon, ben, c'est peut-être un déplacement professionnel hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Donc, il faut arriver à jongler, on va dire, entre parenthèses. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ça peut être professionnel comme financier ou matériel, hein, bien sûr. Hein. Alors, as-tu une autre, s'il te plaît, ou pour, comme tu veux? Bon, il y a la fidélité, ça c'est une chose qui est bien. En tout cas, la fidélité ou l'amitié. On a la carte du printemps ici. Alors, le printemps, on parle de nouveau départ, hein, bien sûr. Alors, c'est soit maintenant, c'est le printemps, en plus, on est en plein dedans hein, ici, mais on parle surtout d'un nouveau départ ici. Un nouveau départ ici. Alors, on a, pour ce nouveau départ, pour certains d'entre vous, au niveau du travail, hein, c'est quelque chose qui est aussi amical. Hein. Le déplacement peut se faire avec un ami, une amie ici, hein, un collègue de boulot. Hein, ici, c'est la carte qui représente la fidélité aussi. Hein, c'est quelque chose qui va durer normalement. C'est quelque chose qui est fait pour vous. Hein, ici, alors bien sûr, on va aller voir un peu plus loin. On va pas s'arrêter là. S'il te plaît, mon ange, quelle est donc cette situation dont tu nous parles là? Un peu plus de précision, s'il te plaît. Ok. Bon, ici... Nous avons le féminin, la féminine. Ben, le voici, le voilà, hein, vous revoici. Alors, mesdames, bien sûr, cette carte pourrait vous parler un peu plus, mais pas forcément, hein, ici. Alors, désolé pour les masculins sur ce coup-là. Ben là, on parle de votre autre. Hein. Ici, nous avons le 29. Alors, le 29, ici... Pardon, excusez-moi. Ça fait 11 quand on les additionne. On n'a que 22 arcanes majeures, hein, ceux qui me suivent le savent. Donc, on est automatiquement... On additionne pour avoir un résultat et là, on tombe sur le 11. Sauf que c'est un tarot, c'est un oracle ici anglo-saxon. Donc, on va respecter le créateur ou la créatrice. Bon, là, c'est un homme ici. Et on va prendre la définition du 11, pas du tarot de Marseille, qui est bien français, mais justement du tarot anglo-saxon. Et le 11, c'est la justice et non pas la force. Ici, on va parler des choses qui s'équilibrent. Alors, on peut parler de justice divine, hein, ce qui vous revient de droit, bien sûr. Hein. On peut aussi parler de justice des hommes, pour certains d'entre vous, hein. Le travail est juridique, hein, ça se peut. Hein. Ici, alors c'est peut-être pour signer aussi des papiers, un contrat de travail hein, aussi. Alors avec cette carte, on a l'as de pique. Ici, on parle de révélations qui vont être faites. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre qui balancez vos vérités ici, hein, la vérité va triompher. Eh oui. Alors, il y a quelque chose qui est certain ici. Nous avons la carte de la lune. Alors, ce n'est pas la lune du tarot de Marseille, et encore heureux ici, parce que sinon, on sera en plein peur et en plein doute. Non. Ici, on vous dit, on vous parle de votre médiumité, certes, mais on parle de votre intuition aussi, hein, de votre sixième sens. Vous le sentez, hein, ce truc. Et en plus, c'est bien que vous le sentiez, c'est normal que vous le sentiez, parce que pour certains d'entre vous, ce compromis là, ce voyage, ce travail, hein, vous mène sur quelque chose d'autre. Ici, on a le 32. 32, on additionne, comme d'habitude, on tombe sur le 5, et le 5, c'est le pape. Le voici, le voilà. L'engagement divin, ben, tant qu'à faire. Alors, mariage divin pour certains d'entre vous, hein. C'est peut-être votre contrat d'âme, hein. Il y a peut-être la personne, vous allez peut-être rencontrer la personne que vous devez rencontrer, hein, la personne qui vous est réellement destinée, hein, lors de ce voyage, cette mission professionnelle, là, ici. Et pour certains d'entre vous, bien sûr, on va parler d'amour, hein, forcément, on va parler de votre mission de vie. Eh ben ouais, pour certains d'entre vous, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour de fraîche, ici. Alors, bien sûr, hein, on a le 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, le 8 de coupe, bien entendu. On vous dit de prendre de la distance et du recul. Déjà, pour commencer par rapport à cette situation, mais pas que. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous manque, hein, bien sûr, ou quelque chose qui vous manque énormément dans votre vie, hein, ici. Mais on peut parler aussi de distance géographique. Pour certains d'entre vous, on va vous demander de bouger. Hein. Votre mission de vie, elle n'est pas là où vous vous trouvez hein, en ce moment. Désolée. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre pour nos copains? S'il te plaît. Bon, il va falloir s'exprimer. Déjà, il y a une conversation qui arrive là. Il y a pas mal de doutes, ça, c'est sûr. Ah, mais c'est jamais évident, hein, de toute façon. Hein. Ouais, il y a beaucoup de communication.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, mais il y a une chance à saisir là. Hein. Il y a quelque chose à prendre là. Ici, avec les chakras de la gorge, on parle d'expression et de sincérité. Soyez sincère envers vous-même. Dites ce que vous voulez par rapport à ce compromis là. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, on est d'accord. Hein. Et n'allez pas dans une direction qui ne vous convient pas hein. Aussi. Alors, il y a des doutes. Hein. Eh oui, la lune, celle-ci, celle-ci, elle angoisse. Hein. Ici, anxiété, doute, remise en question. Ben ouais, c'est vos peurs qui parlent. Peur de ne pas y arriver, peur de perdre des thunes pour certains d'entre vous ici. Alors, nous avons aussi la carte de la communication. Eh bien, remettons-y un coup là-dessus. Eh bien, il va y avoir des textos, il va y avoir des appels, il va y avoir des emails, il va y avoir des discussions sincères ici. Alors, des chats, faites un peu comme vous le sentez, suivant la technologie que vous employez. Ça peut être bien sûr une conversation face à face aussi. Ici, on vous parle d'une opportunité à saisir ici. Eh bien oui, c'est le 3 de denier, c'est de la chance. C'est une collaboration ici, c'est une chance qui tourne. Pardon, dans le bon sens du terme, il va falloir choper cette balle au bon là. C'est le moment hein, ici. Et on vous parle du cavalier de denier. Alors bien sûr, hein, c'est peut-être grâce à, ou avec, hein, ici, hein, parce qu'on avait quand même la carte des amis aussi, hein, un lien d'amitié que ça vous arrive tout ça. Ici, ou avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'amitié ou un lien de fraternité aussi. En tout cas, on vous dit ici, écoutez-vous, faites les choses pour vous ici. Vous êtes votre propre meilleur ami. Ne l'oubliez pas. Hein. Eh bien, c'est pas mal. Moi, je dis que là, il y a des féminins qui sont en train de reprendre du masculin et qui vont peut-être, pour certains d'entre vous, hein, aller vers leur mission de vie. S'il y a des communications qui arrivent, alors n'ayez pas peur. Hein. Alors, c'est juste qu'une question d'organisation ici. Alors, oui, peut-être un peu peur de perdre d'études, un peu peur que ça ne fonctionne pas aussi. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ pour quelque chose de beau pour vous au niveau du travail ici. Hein. Et reprenez votre pouvoir, tout simplement. Remettez de l'équilibre dans votre vie. Ici, on parle d'un compromis hein, au niveau du travail. Ici, alors une négociation par rapport à un déplacement aussi hein, qui peut se faire, le fait de partir travailler à l'étranger, hein, pour certains d'entre vous, votre mission de vie, hein, si on ne parle pas de travail. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui sont à la retraite ici, ils vont me dire, bon ben voilà, moi, ça ne me concerne pas. Mais si, ça peut vous concerner parce que le travail en général, hein, bien sûr, c'est vrai qu'on a la carte du travail, mais il n'y a pas que ça comme travail. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous allez peut-être, votre mission de vie, hein, c'est peut-être d'aller, même si vous êtes à la retraite, d'aller planter des arbres quelque part. Vous voyez ce que je veux dire hein, dans un autre pays ou un truc comme ça. C'est une mission humanitaire. Ça peut être ça aussi, hein, par la même occasion, ou plein de trucs. Hein. Bien sûr, vous adapterez à votre situation, bien entendu. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. J'ai commencé à poster les guidances pour le mois d'avril. Normalement, il doit y en avoir 6 de postés, si je ne raconte pas des bêtises. Alors, pour les autres, bien entendu, hein, le temps que je les fasse, hein, au fur et à mesure, hein, je verrai si j'ai le temps d'en refaire aujourd'hui ou pas. Allez, sentimentalement parlant, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains qui regardent cette guidance? Ah, il y a un nouvel amour. Tiens donc. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Eh, mais pourquoi pas? Ici, gardez l'esprit ouvert. Ah, mais t'es, par la même occasion. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, alors si vous êtes en couple et que tout va bien, hop, 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 c'est pas pour vous. On est d'accord. Quoique, ici, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Hein. Et on vous dit hein, de garder l'esprit ouvert parce que pour certains, vous n'étiez pas fixé sur la bonne personne. Hein. Il y a quelqu'un de complètement différent qui arrive dans cette situation. Alors, quelqu'un à la base avec qui vous ne vous aurez jamais dit « Bon, je vais me mettre en couple avec cette personne. » C'est peut-être ça. Hein. Et pourtant. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus en t'écoute? Oh, il y a du beau, là. Il y a du beau. Alors, on a une union sacrée et karmique. C'est la bonne personne qui arrive, en plus. Hein, tant qu'à faire. Ici, on parle bien d'une nouvelle relation. Hein, ici, alors, on ne va pas parler à tout le monde sur ce coup-là. Mais c'est comme ça. Ici, et on parle de l'entourage proche. Bon, ben, c'est peut-être quelqu'un de nouveau dans votre entourage. Hein, c'est peut-être pour ça, à la base, d'ailleurs. que vous ne l'aviez pas encore rencontré, tout simplement. Alors, et cette personne arrive, si ce n'est pas le cas, là, ça ne va pas tarder. Alors, hop, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute.
Bon. Ici, on a quoi? Oh, on a la carte du bonheur. Mais tant qu'à faire, la carte toute rose. Je l'aime bien, celle-là. Et nous avons la carte de la fidélité. Bon, mais que demande le peuple? Voyons. De l'amour et de la fidélité. C'est pas mal, ça. Ça sent bon, hein, moi je vous le dis. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors attention quand même, hein. Il y a toujours des persifleurs, hein, dans le coin, il y a toujours des personnes médisantes, hypocrites, hein, des personnes qui vont parler sur votre dos, mais on est d'accord, hein. On s'en fout un peu de ces gens-là. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, ne vous laissez pas déstabiliser ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, ça se peut que cette personne, du premier abord, hein, vous ne l'avez pas spécialement appréciée. Ou elle, vous avez mal jugé. Alors, oh, il y a de la concurrence, visiblement. Ben, alors oui, alors pour certains d'entre vous ici, hein, c'est pour ça d'ailleurs, hein, qu'on parlait de médisance, hein, c'est peut-être tout simplement parce que cette personne ici, hein, soit vous pensiez qu'elle n'était pas libre ici, voire même qu'elle avait plusieurs personnes dans sa vie, hein, ça se peut, hein, ici qu'elle n'avait pas envie de s'engager, ou soit hein, c'est cette personne qui pensait ça de vous, hein, ça se peut aussi, hein. Alors peut-être que quelqu'un n'a pas bougé parce que justement il y avait rivalité. Alors attention les médisances aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire que cette personne n'a pas envie de s'engager, hein, ou qui va aller dire à l'autre que vous n'avez pas envie de vous engager, hein, parce que vous avez quelqu'un d'autre, hein, ou qu'elle a quelqu'un d'autre. Hein. Ici, alors on a nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou les copains au passage. Ici avec la carte de l'automne. Alors on vous dit ici de lâcher prise, hein, par rapport à cette situation, hein, à ces commérages là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, il y a une transformation. Alors, ça se peut que cette personne ne voulait pas s'engager, ou ça se peut que cette personne avait déjà quelqu'un, ou que vous, hein, vous étiez dans cette situation. Il y a une transformation, une métamorphose ici. Hein. Il y a un renouveau, un changement qui donne des ailes. Et dans quel sens? Eh bien, dans le sens de l'engagement. Justement, union, couple, pacte, mariage dans l'air, peut-être aussi. Oh, par la suite, hein, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. En tout cas, mariage divin, ça oui. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dans cette situation? On t'écoute. Waouh! Bon, il y a beaucoup d'attraction et d'alchimie entre vous. Et c'est mutuel, en plus. Hein. Ah, ça a du bon. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Et on a le coup de foudre, tout simplement, ici. Alors, vous, l'autre, bien sûr, il va y avoir un coup de foudre mutuel. Ah, une rencontre subite avec un inconnu, ici. Bon, c'est beau. Alors, un, vous adaptez. Bon, allez, qu'est-ce que tu veux nous raconter de plus là-dessus? C'est magnifique. Alors, on t'écoute. Ben, rien, hein, visiblement. Hein. Ben, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Enfin, je te refais un tour, quand même. Bon, alors. Ben non, ben désolé, hein, c'est comme ça. Ben, je pense que c'est déjà assez beau comme tableau. Hein. Ici, ben, y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Hein. Ici, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, cette personne, alors votre âme sœur, votre flamme jumelle, la personne qui vous est réellement destinée, il n'y a pas de flamme jumelle dans ces jeux, donc automatiquement, elle en fait office, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer à la base. Alors oui, on parle bien du nom sacré et karmique, c'est le grand amour, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. C'est bien une nouvelle relation qui arrive ici. Alors, elle a rapport avec votre entourage proche, pour certains d'entre vous, hein. Soit c'est quelqu'un de nouveau dans votre entourage, soit c'est vos proches qui vont vous présenter cette personne, hein, par le biais de vos proches, hein, tout simplement. On parle de bonheur, on parle de fidélité. Bon, ben, y a toujours des médisants. Hein. Alors, soit c'était vous, soit c'était l'autre, ou soit c'était d'autres personnes qui parlaient mal ici, ou qui pensaient mal ici, hein, parce qu'on pensait que l'autre ne voulait pas s'engager, on pensait même qu'il y avait rivalité avec quelqu'un d'autre. Hein. Eh bien, on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça. Alors, n'allez pas écouter, hein, tous ceux qui vous racontent des conneries. Là, hein. Alors, on est d'accord pour vous. Les gens ne
supportent, du moins, il y a certaines personnes, heureusement, c'est pas tout le monde, qui ne supportent pas de voir les autres heureux. C'est con, mais c'est comme ça. Eh ben ouais, ils font rien pour leur propre vie sentimentale, alors ils vont pourrir celle des autres. Ici, alors ne vous laissez pas polluer par ces énergies tierces. Lâchez prise. Une transformation arrive ici. Un renouveau, un changement qui donne des ailes pour aller justement vers cet engagement. Il y a énormément d'attirance mutuelle entre vous deux et un coup de foudre réciproque dans cette situation. Et vu que c'est la bonne personne, eh ben, soyez heureux. C'est la seule chose qu'on vous souhaite ici. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Nous, ça nous fait toujours plaisir, hein, parce qu'en plus, par la même occasion, ça nous permet d'être visibles beaucoup plus sur YouTube et vous faire un peu plus de contenu, hein, bien sûr, tant qu'à faire. Ici, ça nous motive, on va dire. Ici, alors, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Je vous souhaite encore une fois une très, très bonne journée. À bientôt. Bye, bye.